Salut de Kharkiv, je suis toujours avec vous, votre Katia, et aujourd'hui à Kharkiv il fait très très froid et je voudrais vous montrer un peu les rues de Kharkiv. Comme vous voyez, c'est la gym. Ici il y a toujours beaucoup de personnes, il y a beaucoup de petits bébés, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunesse qui se promènent. Mais aujourd'hui, à cause de Covid-19, tout le monde reste à la maison pour protéger la santé. Par exemple, ici c'est l'école, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunesse et d'adolescents qui jouent au foot, qui jouent au basket, mais maintenant il n'y a personne. C'est pourquoi chaque personne essaie de protéger sa santé, sa situation, quoi encore. Maintenant, je voudrais vous montrer les magasins et les pharmacies, comment ça se passe. On y va? Maintenant, je vais au supermarché pour montrer comment ça fonctionne et pour vous montrer la situation avec de la nourriture. Et avant d'entrer au supermarché, je dois porter un masque facial pour protéger ma santé. Maintenant, je suis prête, on y va? Maintenant, je suis entrée au supermarché et je veux vous montrer comment ça se passe maintenant ici. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de fruits, des légumes aussi, quelque chose de super délicieux, les jus. Avec du pain, il n'y a pas beaucoup de pain. Les boissons, vous voyez, personne avec masque, viande, saucissons, tout ça. Il y a du fromage, oh, les gâteaux. Je pense que ici on peut pas mourir, on peut pas mourir. C'est pourquoi il y a beaucoup de nourriture à manger, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de vin. Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter tout ce qui concerne Covid-19 en Ukraine et surtout Kharkiv, parce que la plupart des femmes qui sont inscrites sur notre site de rencontre, elles habitent à Kharkov, donc au Koumas. Actuellement, l'épidémie de coronavirus se partage dans le monde entier et malheureusement en Ukraine aussi, parce qu'il y a des cas de coronavirus à l'ouest de l'Ukraine, mais pas à l'est. Pourquoi ne vous inquiétez pas. Maintenant, je voudrais vous éclaircir la situation et ce que notre gouvernement a décidé de faire. Donc, notre gouvernement place en quarantaine toutes les villes ukrainiennes. Ça veut dire tout est fermé. Les cinémas, tous les cafés, tous les restaurants, tout est fermé. Sauf les pharmacies et les magasins, on peut faire des achats, faire des courses pour avoir quelque chose à manger. Quoi encore? Les autorités interdisent le trafic ferroviaire, aérien, le trafic public. Ça veut dire à Kharkov, notre métro ne fonctionne pas. Mais il y a des bus qui fonctionnent dès le matin parce que bien sûr, il y a les personnes qui doivent travailler. Par exemple, ma mère, elle travaille aussi, elle doit aller au bureau parce qu'elle travaille dans le domaine militaire. Quoi encore? Dans les rues, c'est obligatoire de porter un masque facial. Извините, пожалуйста, у вас маски есть? Нет? Спасибо. Et donc, je viens de quitter la pharmacie. Comme vous voyez, il n'y a pas de masque facial. Ça veut dire, mais dans tous les magasins et dans toutes les pharmacies, il faut les porter. Il faut les porter toujours pour ne pas attraper ce virus. Donc, maintenant, je voudrais conclure tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous avez vu un petit morceau de notre vie en Ukraine, nos magasins, notre pharmacie, nos rues. Je voudrais dire que le confinement est partout. Ça veut dire que tous les gens restent à la maison et les femmes ukrainiennes restent aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, les femmes ukrainiennes s'énervent et ont peur à cause de leur salaire parce qu'elles restent tout le temps à la maison. D'autre côté, les femmes ukrainiennes restant à la maison ne se promènent pas, elles ne vont pas au café, elles ne vont pas au restaurant, elles ne vont pas à la salle de gym, elles ne se promènent dans la rue. Ça veut dire maintenant les femmes ukrainiennes n'ont pas de possibilité de trouver un homme, de trouver un mari. Ça veut dire vous devez et il faut
profiter de cette occasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, sur notre site, on a une offre spéciale liée aux Skype conférences. Vous pouvez savoir plus ci-dessous sur cette vidéo pourquoi et quels avantages vous avez. Maintenant, toutes les femmes ukrainiennes restent à la maison. Vous n'avez pas de concurrence. Ça veut dire que les femmes vont consacrer leur temps seulement à vous. Chaque jour, vous pouvez se téléphoner, échanger des messages et tout ça. Maintenant, c'est une situation très rare et c'est une occasion très rare. Et vous devez devenir heureux. Vous devez trouver votre âme sœur. Vous devez trouver votre femme avec notre site ukraine.com. Et maintenant, si vous avez aimé la vidéo, cliquez like, écrivez vos commentaires, écrivez vos questions, peut-être vos conseils. Si vous avez des sujets que je peux éclaircir, je vais le faire avec plaisir. Je vous souhaite bonne soirée, belle soirée, protégez votre santé, soyez en bonne santé et au revoir.